Le paysage est dégagé ce soir pour plusieurs milliers d'habitants de la cité des 4000 à La Courneuve. En 8 secondes et dans un grand nuage de fumée, un immeuble de 16 étages et près de 200 mètres de long a été démoli à l'explosif. Un seul mot, spectaculaire. 13h06 et 30 secondes à la cité des 4000 à La Courneuve. Dans 30 secondes, le coup de barre, l'immeuble Debussy, celui-là, près de 200 mètres de long, rayé de la carte. La restructuration de la cité est en marche. Aujourd'hui, un grand pas. Le désenclavement des bâtiments passe par 600 kilos de dynamite. Grand spectacle, les personnalités sont là. Je crois que nous allons appuyer ensemble sur le bouton, monsieur le maire. Ben, c'est moi qui appuie, monsieur le ministre. Oh non, c'est on partage, moi, on partage, on partage. 13h07, dernière seconde. 5, 4, 3, 2, 1, fire. L'ensemble du quartier a été évacué, il n'y aura même pas un carreau à voler en éclats. Nous allons même vous le reconstruire pour mieux le redémolir. C'est beau. Bravo, une chute au mètre près, une première européenne pour un tel bâtiment. Ça fait quelque chose qui s'en va avec deux mois, quoi. Vous auriez préféré la garder? Bah ouais, quand même, j'ai passé toute ma jeunesse, quoi, dedans. Alors vous regrettez la barre de Bussy? Je le regrette. D'ailleurs, j'ai pleuré quand c'est tombé, quoi. J'ai habité au cinquième étage. Et pendant combien de temps? 14 ans. 370 logements, Debussy s'est terminé dans la poussière. Il faudra 4 mois pour évacuer les gravats et plusieurs années pour replanter un nouveau quartier plus humain.